Salut à tous, c'est Alizea, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Magic Arena. Qui dit nouvelle vidéo Magic Arena dit nouvelle présentation de deck, ou en tout cas dans la grande majorité des cas. Aujourd'hui on va revenir sur un trio de couleurs que j'avais joué il y a longtemps. C'était un des decks qui dominait, on va dire, avant l'arrivée de War of the Spark. Il y a eu un moment où cet ensemble de couleurs dominait un petit peu. On était encore au début de la sortie de la précédente extension. Et du coup, ce petit trio de couleurs est arrivé. Je l'ai testé. J'ai apprécié le gameplay, mais comment dire, je sais pas, ça allait pas avec mon style de jeu, il n'y avait pas d'affinité, voilà, avec ce deck. Du coup, j'arrivais pas trop à jouer. Pourtant, j'en ai testé sous différentes formes. Et aujourd'hui, on se retrouve avec une nouvelle forme de ce trio de couleurs. On est sur du Jeskai et on va prendre le Jeskai Super Friends. Donc, Super Friends pour Planeswalker. Donc, en gros, ça va être un Jeskai avec plein de Planeswalker, du bleu, du rouge, du blanc, du bicolore, du tricolore, même si on n'a pas dans ce deck. Mais voilà, tout ce qui est bleu, rouge et blanc ira potentiellement dans ce deck en termes de Planeswalker. Alors, nous en avons 4 ici et 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17 Planeswalker. C'est pas mal, c'est presque autant de Planeswalker que de créatures qu'il y a dans certains decks, si ce n'est même pas plus. Sans parler des decks contrôle, hein, qui jouent pas ou peu de créatures. Là, on est sur un deck en fait qui pourrait correspondre à ce qui se fait entre guillemets de classique dans un deck, voilà, créature, attaque classique. Sauf qu'au lieu d'avoir des créatures, on a des Planeswalker, donc le tout va être de jouer autour de ça, de les protéger et après de s'en servir de manière offensive. Alors, comme d'habitude, hein, avant que je fasse la présentation du deck, je vous mettrai le lien dans la description pour que vous puissiez copier, tester, modifier, adapter la decklist à votre convenance en fonction de vos préférences et de votre gameplay. Alors, comme je vous disais, au début, première étape, ça va être de protéger, d'éviter que l'adversaire ne prenne un avantage trop vite. Ensuite, on va avoir l'aspect mid-range, et c'est là où le jeu va devoir être important pour pouvoir positionner ses Planeswalkers, pour pouvoir justement activer les différentes capacités, ne pas qu'ils se fassent détruire, pour commencer à prendre un petit peu l'avantage afin de poser nos Planeswalkers en fin de courbe, on va dire, pour en terminer avec l'adversaire. Alors, au début, pour éviter que l'adversaire ne s'envole trop, n'aille trop loin, quoi que ce soit, on a donc option pour piocher, bien entendu, histoire de récupérer des cartes qu'il nous faudrait. Des perce-sorts pour contrer, des chocs pour infliger des dégâts, des traînes de lave si jamais il y a des petits trucs un peu relous qui traînent, comme des phénix ou des trucs qui sont un petit peu chiants. Et une frappe foudroyante, histoire de nettoyer un petit peu. Ensuite, on commence à rentrer dans le milieu du gameplay de ce deck. On a Narset pour piocher des cartes, on a Teferi pour potentiellement ralentir l'adversaire, on a Saeli pour, pareil, quand on joue des petits sorts d'éphémère ou quoi que ce soit, avoir des 1-1 pour temporiser l'adversaire, pour bloquer un petit peu ses créatures, pour préserver nos Planeswalker. On a le Clairon pour nettoyer un petit peu si jamais on a besoin. Et après, on commence à arriver sur la dernière partie. Karn pour faire du filtrage dans son deck, pour récupérer des cartes intéressantes, pour pouvoir aussi poser des petites cartes artefacts pour pouvoir temporiser, etc. On a Lyra pour attaquer, gagner des points de vie, histoire de se remettre bien si jamais on a subi une phase de d'Eanlit un petit peu compliqué, un petit peu agressif. Et là, on arrive sur les finishes, que sont Sarkhan et Teferi avec Ugin. Sarkhan qui transforme nos Planeswalkers en dragons, donc on permet d'attaquer, enfin en dragon. Ça devient, oui, des créatures 4-4 rouge dragon et Jakir le vol. Ensuite, on a Teferi,
le bien connu Teferi, le grand Teferi, qui va être très chiant aussi, qui va cristalliser un petit peu l'attention de l'adversaire. Et on a Ugin, qui permet aussi de créer des petites cartes esprit incolores pour pouvoir temporiser, pour pouvoir récupérer ses cartes derrière et détruire des permanents. Donc on a une sorte de gestion, de mise en place. Et la zone importante, elle se situe ici. Tout se base sur ces Planeswalker à 3-4 mana, surtout 3 mana, parce que Karn, ça va encore, il peut plus ou moins se défendre directement. Mais voilà, on a ces petits Planeswalker-là qu'il faut protéger, ce qui nous déterminera derrière la puissance d'attaque et comment dire, l'impact qu'aura le jeu en fin de courbe. Voilà dans l'idée, la petite présentation du deck. Maintenant, on va tester ça, on va se faire des petites parties. C'est parti, Jeskaeth Befriend. J'espère qu'on va tomber sur différents match-ups, que vous puissiez voir un petit peu comment ça se comporte dans différents cas de figure. Et j'espère aussi qu'on va pas avoir des mains de merde, comme par exemple celle-ci. C'est très bien, il nous faut du bleu, du rouge. Ici, on a... Ouais, allez, alors je fais ça comme ceci. Je garde hein, quand même. Il me faudrait juste un rouge et c'est bon. Malheureusement, si ça passe pas. Alors, qu'est-ce qu'on a en face? Ok. On joue un spell. Non, il va jouer que des. Oh, mais il faut arrêter, monsieur! Il me faut un rouge. Ça serait le paradis. Ok, cristallisation des dégâts. Alors, 2 et 3. Ah, j'aimerais tellement avoir ce mana rouge. Ah, je paye 2 points de vie direct. Alors là. Ça, c'était obligé. Percepteur de dîmes. Très bien. Advent au Vanguard. Du coup, j'ai quand même diminué un petit peu. Au-delà, c'est pas grave. Je garde mon perso sort au cas où. Genre comme ça. Laissons pas avoir trop de petites créatures. Et bon, bon, il a abandonné. J'avais encore rien pour contrer, mais voilà dans l'idée le fonctionnement. On voit très bien Sylee comment elle a servi. Les Planeswalkers ont une tendance à cristalliser la tension de par leur capacité. Donc au final, nos points de vie sont un petit peu préservés par rapport à ça. Et il faut jouer avec cet aspect-là. On va se refaire une partie ou deux en fonction de la durée que ça prend. Parce que bon, faut clairement dire que Jeskai, c'est pas un deck rapide et qui fonctionne direct comme ça. Faut du temps pour la mise en place. Là encore, j'avais. Honnêtement, le spell là, qui fait 3 de dégâts m'a fait gagner direct. C'est très chiant. C'est très très chiant parce que là j'ai plutôt quoi ce mélange de. Oh là, ah c'est un peu. Alors. Je garde ça. 4, 4.
Allez, hop, on fait ça. Qu'est-ce qu'on a? Je sais pas pourquoi j'ai... Si, c'est bon. Qu'est-ce qu'on va avoir? Je fais ça dans le doute. De toute façon, pire, je ferai ça à ça. Ok. Par contre, il y a du noir, je me méfie, hein. Ça lance pas forcément super bien. Il va me défausser ma main que comme pas permis, lui. Et merde. Putain, j'aurais eu un mana. Ah, c'était deux bleus, forcément. Quel putain de con. Narset focus, je repose la deuxième. Alors moi qui se focus moi direct. C'est abusé à quel point ça cristallise les Planeswalkers. Ça doit vraiment le déranger. Sachant qu'en plus il sait bien que j'ai une. J'en ai une deuxième dans la main. Il faut vraiment. Ça, je prends ça. Par contre, ça, je suis preneur. Du coup, je vais pouvoir lui renvoyer plus ou moins ça dans la main. J'ai toujours pas de quoi jouer mon perso sort. Je peux lui renvoyer ça, récupérer ma. Ça marche aussi. Il va attaquer Narset encore. Tu sais que c'est dangereux quand même. Juste. Juste histoire d'avoir un bloqueur. Elle le dérange, il le dérange vraiment, hein. Du coup, je bloque ça à 3-4. Ouais, surtout, il est mort quand même. Pas de bloqueur.
Putain, j'ai tellement de trucs pour piocher. Putain, c'est abusé, quoi. Alors, me faut alors deux blancs. Malheureusement, j'ai pas deux blancs. Je vais quand même la garder. Et du coup, ça 3-4, je la bloque avec ma 1-1. Je place une frappe foudroyante par-dessus. Ah! Du coup. Direct. Ça dégage. Par contre, il a toujours son truc du. Alors. Joli. Ah, oh, un Sarkhan. Par contre, j'ai pas de Planeswalker. Ça va m'embêter, ça. J'en ai déjà un, j'en veux pas un deuxième. Ah! Du coup, je peux faire ça. Je fais ça comme ça. Ça me va. Attends, par contre, là, ça, son tribunal du conclave me saoule sévèrement. Faut que je pose la Lyra pour qu'il le joue. Oh là 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 là. Ah, si j'avais su. Si j'avais su, un tour près, le clairon. Ah, je suis deg. Parce que là, je faisais le nettoyer le board. Bon, là, il en prend 3, il envoie là. Le reste, il envoie ici. J'ai ma Lyra qui peut. Mais ça, c'est tellement chiant. Ah, il l'utilise maintenant, très bien. Enfin, après, je vais quand même prendre 6x2, 12. Je suis mort, je crois. Ouais, je suis mort. Ouais, tout pile. C'est dommage, ça joue à rien et honnêtement, j'ai pas eu les bonnes cartes qu'il fallait au bon moment. Ça m'a un petit peu. Ça a péché. On va dire que le milieu de game, il a pas été là. Du coup, forcément, vers la fin, c'était pas très très bon. On va se refaire une petite dernière.
En espérant que ça se passe mieux. On a vu donc du blanc un peu, je sais pas trop, mid-range, pas très agressif. Enfin, c'est pas même que du blanc, c'est du Ozrof. Alors, ouais, on va faire ça. Je vais garder. J'aimerais bien avoir un 13e. Ça, c'est bien, ça. Pour commencer, c'est bien. C'est Planeswalker à 5, donc pour les entamer, ça prend un peu de temps. Maintenant, il me faudrait un mana supplémentaire. Oh là. Ok, d'accord. Je sens que ça va être compliqué. Mono rouge, allez, c'est parti. Alors, qu'est-ce que tu vas nous sortir? Oh là là. Je les joue maintenant parce que je me dis voilà, il a que deux. Je joue ça d'abord. Elle est à 5. Normalement, 3, 4, 5. Faut vraiment qu'il. Et pourquoi? Il fallait qu'il y ait un truc. Ah bon, alors ça. Est-ce que je le fais maintenant? Non, je vais attendre un petit peu. Je vais attendre le tour prochain. Il y a peut-être plus de choses à proposer. Je veux pas overextend un peu? Allez. Attends, t'es chiant. Ah, j'ai perdu, j'ai pris 5 dégâts, juste. Easy comme ça parce que j'ai voulu proposer, c'est une tentative hein, à l'adversaire d'overextend. Malheureusement, ce n'a pas été le cas. En plus, maintenant il a 6 mana. Oh là là. Deux, trois, quatre, cinq. Ah, nope. Alors, c'est là où on va commencer. À voir un peu comment ça se passe. Je suis très très tendu en termes de.
Kesta, ok, sur End. Bon, je pense qu'il avait compris que ça risquait d'être un petit peu compliqué. À partir du moment où on a un Narset, on ne peut plus piocher. Je peux rebounce son truc dans la main, piocher une carte, temporiser pour le redétruire, et ainsi de suite. Et on arrivait dans une sorte de cercle vicieux où j'aurais fini, je pense, par prendre l'avantage si j'avais rajouté un Sarkhan ou ce genre de choses-là. Mais voilà, dans l'ensemble, vous voyez un petit peu le fonctionnement de ce deck Jeskai Super Friends. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu en bas de la vidéo si vous avez aimé. N'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne et à visiter mon petit lien Utip si vous souhaitez pouvoir suivre d'autres publications de vidéos Magic Arena sur ma chaîne. Voilà, moi sur ce, je vous laisse là et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao tout le monde.